Ayant mis un terme à sa carrière d'acteur en 2022 pour des raisons de santé, Bruce Willis a récemment découvert de quelle maladie il souffre grâce à ses médecins. Alors qu'il avait indiqué être atteint d'aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales, afin de justifier son départ des plateaux de tournage, en fait, le comédien souffre d'une forme de démence, malheureusement incurable pour l'instant. Si sa fille, Rumor Willis, qui a révélé cette triste nouvelle le jeudi 16 février 2023 sur son compte Instagram. Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d'aphasie de Bruce au printemps 2022, l'état de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis, la démence frontotemporale, appelée DFT, note de la rédaction, a-t-elle écrit. Malheureusement, les problèmes de communication ne sont qu'un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. Bien que cela soit douloureux, si un soulagement d'avoir enfin un diagnostic clair. La DFT est une maladie cruelle dont beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler et qui peut frapper n'importe qui. Pour les personnes de moins de 60 ans, la FTD est la forme de démence la plus courante, et comme l'obtention du diagnostic peut prendre des années, la FTD est probablement beaucoup plus répandue que nous ne le croyons. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour la maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir, a-t-elle ajouté. Bruce Willis, mon plus grand fan. Je suis amoureuse de lui, a indiqué sa femme de son côté, la femme de Bruce Willis, Emma, a récemment publié une vidéo très touchante de l'acteur sur son compte Instagram. Au sein du clip en question, on peut découvrir l'ancienne star de la franchise Die Hard indiquer qu'il était fou de la marque de soins de la peau de sa compagne, baptisée Coco Baba. Mon plus grand fan. Je suis amoureuse de lui, a précisé Emma. Cette dernière a récemment révélé qu'elle travaillait avec un spécialiste de la démence, afin d'aider son mari à lutter contre la maladie.